survie que je fais lorsque je m'ennuie. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi la madame de l'autorité du champ. Femme des années 80, moins Colombine car le cas, sachant qu'il y a noté sur la gare qui va du grand sourire, voilà. Être un PDG au Valora, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins au conscrit, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler le ciel, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils. Cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme dentaire sous sa pelisse, et femme banquière planquée en Suisse, femme dévoreuse de minet, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, une maîtresse mieux sa vie, et contre maîtresse à l'usine, faire le matin les abattoirs, et dans la soirée le trottoir, femme des gardiens de la paix, chauffeur de gare, agent secret, femme générale d'aviation, rouler des carrés au planton. Genre de promotion, Paris, silence, ceinture marron, championne du monde des culturistes, et même si si impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à corps en plein, qu'on voudrait bien appeler papa, femme pilote de long courrier, et femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'au port chartel et au steward pour les dépêches. Maîtriser à fond le système, accélérer au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et ne faire qu'en dire France. C'est une femme. Femme des gardiens de prison, chanteuse d'orchestre et formation, une structureuse à corps perdu, mon air de ce qu'on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, porte des râles, vendeuse aux puces, qu'on a envie d'appeler des Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. Jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité du charme. Femme des années 80, mal Colombine car le cas, sachant bien noter sur la gamme, qui va du grand sourire au lard. Être une femme, être une femme. Être un PDG en Valois, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler les patins ou conscrits. À la fois pauvre et mannequin, femme fantaise sous sa pelisse, et femme banquière planquée en Suisse, femme dévoreuse de lunettes, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, et train major de promotion, parmi si longue ceinture marron, championne du monde des culturistes, et si si impératrice, femme des gardiens de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, roulée des carrés en planton. Femme pilote de leur courrier, les femmes à la tour contrôlée, galonnée jusqu'au port charter, au steward, prenez les pelles, maîtriser à fond le système, accélérer au pouvoir suprême, s'installer à la présidence, et de la faire porter la France. Femme des années 80, la Colombie, le Carlequin, sachant qu'il y a noté sur la gamme qui va du monde.